même si 2016, 2017, c'est probablement une des saisons les plus pourries qu'il y a eu pour l'enneigement et pour le ski, je suis assez content de pouvoir partager un peu ces quelques images sur ma passion, qui est le ski, mais la montagne en général. Donc là, on est sur les pistes d'Avoria, Porte du Soleil, et une belle journée. La neige est déjà toute pourrie, mais c'est pas grave, on se fait quand même plaisir. Et puis voilà, durant les différentes images, ça permet un peu de montrer cette passion que j'ai depuis que j'ai 3 ans. Donc j'ai toujours skié en fait. Dès que la neige arrive, je vais chercher les skis et je les range seulement au mois de mai. Ça permet de s'évader, ça permet de se ressourcer. Le ski, c'est sur les pistes, mais c'est aussi alors des trucs un peu plus fun comme un petit peu de kilomètres lancés ou alors des border cross. Et puis à l'inverse, c'est aussi mettre les pots de phoque et puis partir en rando où il n'y a personne et aller chercher la poudreuse et être le premier à faire sa trace. Alors le ski pour moi il se décline de différentes manières, il y a les pistes où on est là, mais parfois on a envie d'autre chose. Alors le ski, j'ai eu la chance d'aller par exemple en Colombie-Britannique où il y a une neige absolument incroyable et là-bas on était plutôt en rando. Il y avait aussi la possibilité de faire du ski de nuit dans une station qui est tout près de Vancouver. Il ferme à minuit donc on peut skier dans la pénombre. Après, des trucs un peu plus fun et un peu plus à sensation, j'ai bien aimé faire du KL, le KL populaire de Verbier, qui permet de descendre tout droit à la piste du Montfort et d'atteindre des vitesses autour de 140-145 km/h. Et puis sinon, des trucs un peu rigolos comme des backflips. Mais je crois que j'ai bientôt plus l'âge, donc c'est vrai que j'en ai fait deux, trois petits backflips sur des big air et sur des matelas. Et puis comme je suis musicien, j'ai voulu faire aussi un peu de cordée d'Alpes sur piste, donc c'est-à-dire jouer de la musique tout en skiant, ce qui est assez intéressant. Mmh.